Il est 5h du matin, Jean Arrachard et Marc Ponceau, tous deux journalistes halieutiques, préparent leur bateau pour une partie de pêche de la carpe en Seine. Avant de placer avec soin le matériel, une moquette est posée sur le fond du bateau pour absorber les bruits. Nous sommes à Draveil, au sud de Paris. L'espace réduit du bateau impose une disposition réfléchie du matériel pour que tout soit à portée de main. Sur le poste, le bateau est immobilisé en travers du courant par deux poids éloignés l'un de l'autre. Capitaine, ralentis. Non, on est trop près du bord. Ah. Attends. Attends, je freine un petit peu. Trouver dans l'axe. Non, là c'est bon. Des sandaux serviront d'amortisseurs contre les vagues créées par les péniches ou les démarrages de gros poissons. Ce poste a été choisi après un sondage effectué quelques jours auparavant. C'est une opération indispensable pour apprécier la nature du fond, repérer les obstacles éventuels et les déclivités où pourraient se tenir les carpes. En effet, on sait qu'on ne peut pas amorcer sur un fond de vase liquide qui absorberait maïs et bouillettes. Des herbiers ou au contraire un fond solide et propre entraînerait un choix de montage différent. Les seaux de carpe que Jean tente d'apercevoir avec ses jumelles le renseigneraient sur le poste où elles se tiennent. Un sondage à cet endroit l'informerait précisément de la présence d'une cuvette dans laquelle les carpes aiment fouiller et se tenir à l'abri du courant. Un sondage systématique est une garantie d'un bon choix de poste. Les sauts de carpe invitent nos pêcheurs à sonder en aval. Jean trouve enfin ce qu'il cherche, une cuvette de 3-4 mètres de profondeur, large de 5 mètres et longue de 15 mètres environ. Son fond, à l'abri du courant et des remous engendrés par les passages successifs des péniches, retiendra l'amorce en place. Le bateau est maintenant bien amarré. Nos pêcheurs amorcent massivement le poste avec du maïs cuit et parfumé à l'écrevisse, d'une quantité équivalente à 5 kg de maïs sec. La précision de l'amorçage est facilitée par la proximité du poste, distante de 8 à 10 mètres. On va aller chercher celles qui sont larges, en montée de chemin. Ça sert simplement à s'il y a une carte qui passe au large, qui trouve un grain de maïs, et dit tiens, où c'est qu'il pourrait y en avoir plus, et après on va se mettre à chercher. Il ne s'agit pas de les nourrir là-bas. Hein. Bon, là je pense que c'est bon, on va balancer maintenant des bouillettes. En Seine, la carpe se nourrit notamment d'écrevisses et connaît bien son odeur. C'est pourquoi elle est plus facilement attirée sur un amorçage ainsi parfumé. L'utilisation d'amorces aux parfums différents
contraint le pêcheur à accoutumer le poisson en amorçant longtemps à l'avance. C'est pour une 40 livres, celle-là. Alors, pour régler le frein, c'est le plus important. Alors, surtout que là, les carpes mordent juste sous le bateau. Hein, là. C'est très très violent. À vite fait d'emblée une canne. Presque desserré. Voilà. Posé bras du bateau. Ah, c'est une bouillette à quoi là que tu nous mets? Ah, les crevisses. En carpe, en Seine, elles aiment bien le. Marc a lancé plus loin que l'endroit où il a prévu de pêcher, qui est un haut fond de sable à l'arrière de la cuvette. Il y ramène doucement sa plombée pour ne pas effrayer des carpes déjà sur le coup. Il y a des cendres en train de chasser là-bas. Il y en a une autre qui a sauté juste derrière. Ah oui. Là, c'est la couleur pour laisser le marché. Jean vérifie que pour une traction lente et une traction brutale, le frein réagira convenablement sans blocage, évitant ainsi la casse au démarrage. Essayez de l'équilibrer avec un fil cendré pour la suspendre au ras du fond. Ouais, c'est pas assez lourd là. Elles sont très 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 flottantes. Jean monte une bouillette flottante. Il a pincé sur le fil une cendrée légèrement plus lourde que la bouillette flottante à quelques centimètres de celle-ci. Le poids de cette cendrée devra être la plus réduite possible pour ne pas éveiller par son inertie la méfiance du poisson lors de l'aspiration de la bouillette. Ah, voilà, normalement là. Et là c'est juste, mais ça coule. Voilà, donc ça va être suspendu à 5 cm au-dessus du fond, ce qui fait qu'elles vont le voir de beaucoup plus loin. Voilà. Jean lance, puis règle la distance. Pendant ce temps, Marc monte une bouillette sur un cheveu réglable. Ah oui, parce que moi, mes cheveux, je suis obligé à chaque fois de resserrer le nœud ou pas. Avec toi, tu me mets, tu règles selon les conditions de pêche. L'attente commence. Thank you.
8 heures. Sans faire du temps. Et elle se rabat sur les rochers. Droit sur les rochers. Oh là, il va y avoir des problèmes. Oh là là, regarde où elle va. Ah, elle est flottante, hein. L'air par au large. Ah, cassé! Cassé! La carpe s'est retournée et le fil s'est cassé sur le premier rayon de la nageoire dorsale qui est en dents de scie. Elle s'est retournée, sentie se retourner, elle s'est coincée derrière la dorsale et cassée. Ah, vache! C'est du Kevlar. Mal la couper. Après une touche, on doit réamorcer pour remplacer les appâts sur le fond qui auraient été mangés. Jean décide de pratiquer une pêche à la longue coulée. Le courant de la Seine est favorable à cette technique. C'est un moyen possible pour faire mordre un poisson. Il consiste à faire dévaler un appât qui sera saisi par réflexe. On utilise pour ce genre de pêche des flotteurs de type anglais. Pour éviter la péniche, Jean immerge le fil en plongeant sous l'eau la pointe de sa canne. Malheureusement, le fil trop près du fond touche un obstacle et casse. C'est maintenant Marc qui bride un poisson. Jean relève ses cannes pour lui faire de la place.
Marc a une façon particulière de pomper son poisson. Au lieu de freiner la bobine avec son index, il freine directement le fil avec son doigt sur la canne. C'est une commune qui est mise à l'épuisette. Elle est reconnaissable à sa couleur dorée et à ses nombreuses écailles. La dorsale, c'est plus élan. Ça ne doit pas être comme si. C'est plus élan. Elle a bien piqué, elle ne pouvait pas s'écrocher, je veux dire. La carpe est mise dans un sac de conservation en nylon préalablement mouillé pour protéger son mucus. De retour à terre, Jean et Marc nous montrent leur montage. À droite, une bobine de Kevlar pour la tête de ligne. À gauche, un fil pour le bas de ligne. Jean enfile le Kevlar dans une longue aiguille qu'il passe à l'intérieur d'un anti-emmêleur plus long que le bas de ligne. Cette perle va servir de protection au nœud et éviter qu'il ne pénètre dans la gaine, ce qui empêcherait son coulissement. Il termine par une boucle. Il fixe une agrafe de bonne qualité. Il raccorde à l'agrafe le bas de ligne. L'avantage de ce plomb-là, c'est que lorsqu'on le ramène, c'est un plomb qui flotte en surface. Il décolle, il ne flotte pas, mais il décolle, ce qui permet que le plomb ne reste pas accroché au fond. Alors que ceux-là, au contraire, bon, bien sûr, ils ne vont pas flapper en surface, mais quand il y a du courant, ça permet à ce que la ligne reste bien collée au fond. Le plomb ne va pas déballer dans le courant. Celui-là, il va rouler dans le courant.
celui-là va rester posé. Voilà. Jean va enfiler des grains de maïs sur le cheveu à l'aide d'une aiguille à chat rabattable. Un cheveu est un fil très fin, accroché à l'hameçon, sur lequel on peut enfiler n'importe quel appât. L'appât sur un cheveu paraît libre. La carpe, mise en confiance, ne décèle pas le piège. Elle aspire l'appât, entraînant l'hameçon qui se pique dans les lèvres, où il est facile à extraire. Jean transforme le chapelet en grappe pour sélectionner les très gros poissons. Les petits poissons tels que les brèmes, gardons et retangles, qui sont souvent présents sur le cou à carpe, ont du mal à avaler la grappe. La tête de ligne, sur laquelle est enfilée l'anti emmêleur, est en kevlar, un matériau particulièrement résistant à l'abrasion. Pour le bas de ligne, Jean utilise du fil technitop ou tortue en 15 centièmes d'une résistance de 6 kg. Marc nous montre son montage à cheveux coulissants. Le cheveu est passé à travers une gaine silicone entourant la hampe de l'hameçon dans lequel il coulisse à volonté. Le lendemain, nos deux pêcheurs embarquent pour une nouvelle partie de pêche de la carpe en Seine. Si on sait, ça saute pas mal d'abord. Bien la bouillette au coin de la gueule. On va aller. On la voit bien là.
quelqu'un devait aller se prendre de l'encre. Ouais, fait 9 kilos. 9 kilos. En enlevant le poids du sac, ça fait 9 kilos. 9 kilos 5. Marc a ajouté à son montage un long chapelet de bouillettes sur fil soluble. Dans l'eau, le fil dissous libérera les bouillettes qui amorceront à côté de l'hameçon. Celles-ci formeront une concentration d'appât très attrayante pour la carpe. De kilos, bon, plus, même. Peut-être plus, on va pas loin de 14. Oui.
Je peux pas. Je peux pas pour la bascule comme ça. Oh la vache. Jean vide un peu d'eau de cuisson du maïs. Cela provoquera un sillon odorant dans l'eau, pouvant aller chercher les carpes très loin. Jean pense avoir affaire à une miroir. Celle-ci garde le fond à l'opposé de la commune qui généralement monte entre deux eaux. Il suppose qu'il s'agit d'un mâle. Il a observé que les mâles ont tendance à tirer une grande longueur de fil en ligne droite, alors que les femelles tirent en zigzagant. On voit le travail du doigt sur la gâchette. À chaque pompage, il appuie sur la gâchette pour bloquer la bobine. Il la relâche quand il baisse la canne, tout en moulinant. Comme ici.
Oh là, elle a 120 mètres facile. Le poisson prend 120 mètres de fil. Sur grosse carpe, il est possible de se faire vider 200 mètres de fil. C'est pourquoi on garnit les bobines de moulinet de 300 mètres de fil. Jean utilise du fil en 35 centièmes. Ça commence à revenir doucement. C'est là que j'ai perdu un poisson l'année dernière. Ça fait pire, mais quand même était nerveuse, hein, celle-là. Ah voilà. Ah voilà. Poché. Ouais, c'est bien bien défendu. Hein. C'est bien le miroir. Hein. Attends, je réduis le manche pour la main. Allez, on y va, c'est bon. Ça sera la canne. Oula. Ouh. Il va sur la merguez. Voilà pourquoi c'est la bagarreuse. C'est complètement mêlé. Celle-là, ce que je propose, c'est qu'on la coupe. C'est celle-là. On va mettre la barre là. Sinon, on va la coupe. Ok. Ça, c'est égal. Ça part. Ouais, ouais, ça y est, j'ai bu. C'est bon, c'est bon. On prend le large. Mon fil est calme. Ok. Allez, par droit. Gros large. Parfois vite. Elle part trop vite, mais elle va droit devant elle. Hein. Elle y va. Hein. Elle commence à accélérer. Elle traverse. Elle traverse la selle. Elle accélère. Tout doucement. Hein.
détecteur au fait. J'ai arrêté le détecteur, je l'ai pas enlevé, autant l'enlever, j'ai pas pu t'emballer. Essayez là. Voir si on peut contrôler un peu la situation. Non, pas vraiment. Ça va pas très vite. Ah, il commence à remonter le courant, dis donc. La situation. Voilà. Moi je la décolle. Tu me reprends ? Non, 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 je vais décoller. Elle monte. Elle se repose là, elle est en train de récupérer. Hein. Bien que si je ne l'ai pas amené avant qu'elle finisse se reposer, elle va redémarrer. Elle vient doucement. Elle est en surface là-bas, tiens, je viens de l'apercevoir. Elle est à 30 mètres. Et on aperçoit le. Oh, elle est jolie, elle est toute dorée. Ça mange pas trop profondément. Ah, tiens, c'est bizarre le sens, à part. Entre deux eaux. Ah voilà, elle est en surface. Une vingtaine d'olives. Pas trop forcé parce que comme la canne est longue, ça ferme mon angle. De toute façon, elle va repartir. Alors, voilà. Ah, elle repart. Elle repart. Doucement, mais sûrement. Un petit peu large. Attention, elle récupère. Attention, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas. Non, elle a vu les puisettes. Elle a vu les puisettes et. Oui. Allez, c'est bon. Elle est dedans. Oh, elle est belle. Et voilà. Commune du 20 tête de libre. Elle joue. On met ici, hein. Un, deux, et trois. Bien. C'est de la maintenir, pas qu'est-ce que. Il y a deux du 1. Les bottes en dessous. 2,50 en dessous. Voilà. J'ai décroché. Le sac. Voilà. On va la couvrir. Ah, c'est sous le vent qu'il a basculé par là. Par moi ? Ça, c'est, ouais. Ça, c'est le problème en bateau, c'est pas évident. Voilà. Et on récupère le sac par en dessous. Voilà. Attention. C'est, prends la nageoire dans les cuisettes. Ça y est.
Okay. Elle est coiffée. Très bien. Arrêtez juste 6 kilos. Pas des sourires, j'ai pris. La pêche en barque a permis à Jean Arrachard et Marc Ponceau d'atteindre des postes inaccessibles du bord. Elle aura été une nouvelle fois à l'origine de belles émotions. Parti. On n'a pas attendu, hein. On va essayer. Voilà, c'est ballon. Ah, on est bon.